assister à cette rencontre donc contre l'AS Monaco. C'est le deuxième match de la semaine. On va pas revenir sur ce qui s'est passé mercredi contre l'équipe de Troyes. Inutile de se faire du mal. Et partons de l'idée que ça va mieux se passer face à l'AS Monaco, une équipe qui est devant nous au classement. Mais nous ne sommes pas, à proprement parler, totalement largués. Alors, une équipe monégasque, bien sûr, qui est quand même d'une autre cuvée que celle de Troyes. Encore que nous avons perdu contre les Troyens. Là, il va falloir non seulement élever son niveau de jeu indiscutablement face à de tels adversaires, et puis il va falloir aussi être bon dans toutes les lignes, sans TJ Savanier, vous le savez, notre maître à jouer TJ Savanier, qui suite à son expulsion mercredi soir. La passe de Mamidi et Louaï qui marque, formidable. Il s'accroche encore pour Louaï. Allez, Louaï dans la course avec le Mamidi, la frappe de Mamidi. Des Ben Yedder qui réduit le score. Oh, ce centre tir de Gelson Martin. Comme je peux, le pauvre Sacco, la frappe et l'égalisation. Oh là là, l'égalisation de Van der Sar pour Monaco. Oh là là là, quel dommage, c'est fou. Et Cosa tête baissée, file au but, Nicolas Cosa, l'ouverture pour la mini le tir. Le but de Mamidi, 90e minute, Mamidi donne la victoire à Montpellier. C'est extraordinaire. Après une percée remarquable de Nicolas Cosa, Montpellier va s'imposer 90e minute. Come on, 3 points, sweet. Come on. Ouais, une bonne équipe de Monaco, mais on est encore là et on le prouve. Mais il faut continuer comme ça. C'est bien, c'est bien. La semaine de vente qu'on a passé, moi je dis bravo. Et vous êtes capable de faire encore mieux. Donc moi je vous félicite. Un beau sourire à la Nico. On lâche la photo. Vamos!